Bonsoir tout le monde. On me demande pourquoi je n'ai pas dit des mots sur, concernant ce qui s'est passé chez Elaz Seguna, Kuntigi de Basse-Côte. Donc je vais répondre en direct devant les Guinéens et Guinéennes. Chers compatriotes, chers abonnés, je suis loyal avec les autres, mais je suis loyal aussi avec moi. Je vais dire aux éléments de Basse-Côte, je vais dire aux Soussous, je vais dire à la jeunesse de Basse-Côte que l'oppression n'a pas commencé à Elag Seguna. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a attaqué Elag Seguna qu'on va dire que Alpha est méchant. Moi, je ne serais pas d'accord avec les Guinéens. Les Guinéens sont hypocrites. L'oppression a commencé à l'Axe. Il y a des vieux peuls ici qui ont été oppressés. Il y a des vieilles peuls qui ont été oppressés. Il y a des peuls qui ont été assassinés. Quel jeune de Basse-Côte est venu pour parler? Est-ce que ce jour-là, Elag Seguna a parlé? Est-ce que ce jour-là, Elag Seguna a parlé? Chers compatriotes guinéens et guinéennes, vos hypocrisies, c'est ça qui fait que la Guinée ne change pas. Vos mensonges, c'est ça qui fait que la Guinée ne change pas. Tout le monde défend son intérêt personnel. Il y a deux mois, le jeune centre Gani Alpha, quand on a tué sur les éléments, les habitants de l'Axe, Gani Alpha est sorti. On a traité Gani Alpha de raciste. On a traité Gani Alpha d'ethno. Nommez-moi un artiste Soussou. Nommez-moi un artiste Soussou qui est sorti dire d'arrêter de tirer à l'Axe, d'arrêter de faire de l'oppression à la jeunesse de l'Axe. Nommez-moi un. Les Guinéens, vous êtes vraiment hypocrites. Madik ne va pas faire des vidéos pour défendre Elag Seguna. Parce que le moment que Kassori, c'est un Soussou, les Baïdi Haribo ont donné l'ordre pour tirer sur les Guinéens, quelle autorité de Basse-Côte, quelle jeunesse de Basse-Côte est sortie pour dire de ne pas tirer sur les habitants de l'Axe? Arrêtez de vous mentir vous-même. Arrêtez l'hypocrisie. Chacun défend son intérêt dans le combat là. Chacun défend son intérêt. Kindia, moi j'oublie pas, il y a peut-être un an ou un an et quelques, Kindia, on est parti dans la famille de Adja, on est parti dans la famille de Adja Ali Matoudalin à Kindia. La maman de Adja Ali Matoudalin a été délogée devant tous les Guinéens à Kindia. Kindia n'est pas une ville de Basse-Côte. Kindia n'est pas une ville Soussou, majorité Soussou, mais nommez-moi une grande personnalité de Basse-Côte qui a dit aux manifestants de ne pas déloger la maman de Adja Ali Matoudalin. Bande d'hypocrites. Ça, c'est la voix de Madik Sans Frontières. Bande d'hypocrites, bande de menteurs, bande d'injustes. Madik ne va pas faire de vidéos parce que c'est Kuntigi qui est attaqué aujourd'hui. Aucun Guinéen n'est mieux que l'autre. L'oppression a commencé où? L'oppression a commencé. On a commencé l'oppression où? Et donc les vieux peuls qu'on tue, les vieux peuls qu'on arrête, les déshabiller, les fouiller, les assassiner, les frapper, les gifler, c'est pas des Guinéens? C'est pas des êtres humains? C'est pas des êtres humains? Quand ça n'allait pas chez les peuls, on a créé le slogan Soussou en Aotagi. Aujourd'hui, Madik va créer aussi son slogan Mufanao Matofe. Lagi Seguna, je m'excuse. Hein. Moi, je ne suis pas contre vous. Je suis contre personne. Mais Elagi Seguna, pendant qu'on a tiré sur les peuls, toi, Elagi Seguna, Kuntigi de l'Occident, tu étais vivant. Tu étais là. Tu n'es jamais sorti de dire que Alpha n'est pas bon. C'était le même problème, Elagi Seguna. Mais les Guinéens, arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. C'est pas quand qu'on va tirer sur la famille de Madik que Madik va sortir. Non. C'est quand on tire sur la famille des autres, tous les Guinéens doivent sortir. Quand je vois aujourd'hui les hypocrites qui font des vidéos, les hypocrites qui se font passer que c'est la fin du monde, les hypocrites qui disent que Alpha est méchant, c'est parce qu'aujourd'hui c'est le tour des Soussous, on dit que Alpha est méchant. C'est parce que c'est le tour de Elag Seguna, on dit que Alpha est méchant.
prenez l'âge de la maman de Agali Matudale à Kindia. Le Guinéen est hypocrite. Le Guinéen est méchant. On a attaqué sa famille à Kindia. Mettre sa maman dehors. Mettre sa maman dehors. Saccager la maison. Quel Guinéen. Appelez-moi le nom d'un Guinéen, d'un responsable de Bascotte qui a pris sa responsabilité. Il n'y en a pas. Tant que le Guinéen est hypocrite, la Guinée ne changera pas. Ça, c'est la voix de Madik Sans Frontières. C'est aujourd'hui que les hommes vont sortir. Elagi Seguna a été attaqué. L'oppression sur Elagi Seguna. Mais il y a des vieux qui ont été oppressés, plus vieux que Elagi Seguna. Pourquoi vous n'êtes pas sortis? Et quand on sort, on dit c'est des peuls. On dit rien, c'est des peuls. L'axe, c'est des bandits. L'axe, c'est des fainéants. L'axe, ce n'est pas des êtres humains. L'axe, ce n'est pas des patriotes. Tant que tous les Guinéens ne sortent pas pour défendre les causes de l'axe, Madik va défendre les causes de qui que ce soit. Parce que déjà, la vraie version, la vérité, chacun défend sa communauté. Chacun défend son intérêt personnel. Sinon, moi, je ne suis pas peul. Je ne suis pas peul. Mais ce qui se passe à l'axe, il faut être bête, il faut être inconscient, il faut être inhumain de ne pas dire la vérité. Eh, chers compatriotes, arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. Le Guinéen ment. Le Guinéen est hypocrite. Le Guinéen défend son intérêt personnel. Elagi Seguna, en 2017, il y a eu une réunion chez Elagi Seguna. Les Malik Sonko et leurs groupes sont partis voir Elagi Seguna pour le problème de troisième mandat. Ce jour-là, Alpha Condé n'était pas méchant. Ce jour-là, Alpha Condé n'était pas ennemi de la Guinée. Ce jour-là, on ne parlait pas de troisième mandat de Alpha. Pourtant, le troisième mandat de Alpha est planifié chez les Soussous. C'est la communauté Soussous. C'est ça la vérité. Les grands prédateurs du troisième mandat, les grands promoteurs du troisième mandat, c'est dans la communauté Soussou. Ça, c'est Madi qui dit. Les Baïdi Haribo sont là-bas. Les Malik Sanko, les Kassori Fofana, c'est des Soussous qui ont aujourd'hui neutralisé, perturbé, séparé la jeunesse Soussou. Moi, Madi attendait ça. Je savais que ça allait arriver. Moi, j'attends le bon moment puis pour vous dire la vérité. J'attendais le bon moment. On a saccagé Wanindara. Elagi Seguna était où? On a tué Alax. Les jeunes peuls, les jeunes Soussous étaient où? Je ne généralise pas tout. Je ne généralise pas tout. Si, en saccageant l'Ax, en tuant les peuls, en massacrant les peuls, les Soussous disent qu'Anao Tagi, aujourd'hui, moi, m'a dit que je dis aussi, Wonfan Nao Matofe. Elagi Seguna, je vais laisser entre vous et Alpha. Elagi Seguna, je vais laisser entre vous et vos fils, vos élites Soussous là, qui sont aujourd'hui à la tête de toutes ces propagandes. C'est ça la vérité. Donc, chers abonnés, si vous voyez que je n'ai pas fait d'intervention, je n'ai pas publié de photos, je n'ai pas supporté, parce que c'est de vous dire la vérité. Si nous devons nous battre pour l'intérêt de la nation. Si nous devons défendre des causes, nous devons défendre les causes communes. Si nous devons défendre ces pays-là, c'est dans la vérité. Chers compatriotes, Guinéens et Guinéennes, si quelqu'un vient dire à Madik aujourd'hui que c'est aujourd'hui que Alpha n'est pas bon, il est menteur. C'est parce que c'est devenu leur problème maintenant. Si quelqu'un dit à Madik aujourd'hui que c'est la première fois que Alpha s'attaque à un vieux, il a menti. Il a menti. Qui peut me dire que Elagi Seguna est plus vieux que la maman de Agali Matudale? Qui peut me dire ça? Qui peut me dire que Elagi Seguna est mieux que la maman de Agali Matudale? Mais c'est ça la vérité. On a délogé la vieille madame devant tous les Guinéens. L'autorité était là. Mais, chers compatriotes guinéens et guinéennes, il y a beaucoup de vieux qui ont été oppressés. Il y a beaucoup de vieux qui ont été maltraités. Dernièrement, il y a un vieux peul de l'Axe qui a été arrêté. On a des vidéos ici, maltraité, lui traité de tout. Est-ce que ce jour-là, on savait qu'il y a un Kountigi de l'Occident qui sait que Alpha est méchant? Est-ce que ce jour-là, l'autorité de Bascotte s'est manifestée?
Il ne faut pas, quand c'est votre tour, vous allez dire que Alpha est méchant. Quand c'est votre tour, vous allez dire qu'il n'y a pas de troisième mandat. Mais quand c'est le tour des autres, quel autre? Les peuls, mon frère, aucune. Ça qui est en Guinée, je vais vous dire la vérité, aucune, aucune ethnie, aucune communauté n'a été oppressée, n'a été diffamée, n'a été insultée, n'a été tuée, n'a été maltraitée, plus que l'ethnie peul. C'est ça la vérité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est Kountigui, on a vu ça chez les peuls. On ne peut rien voir sur les réseaux sociaux qui n'a pas été dit et fait à la communauté peul. Et ces moments-là, vous étiez où? Ces moments-là, vous étiez où? Chers abonnés, je ne peux pas vous dire la vérité et puis me mentir moi-même. Oui, je déplore ce qui se passe à la Seguna. Je déplore. Mais pourquoi je ne réagis pas? Le même Seguna, au début, n'a pas réagi quand c'était le tour des autres. Et il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Pendant qu'on leur donne l'argent, Alpha n'est pas méchant. Pendant qu'on leur soutient par l'argent de l'État, Alpha n'est pas méchant. Je ne serais pas surpris si un jour ils s'attaquent aux imams de la mosquée, je vais sortir dire la même chose. Parce que ça fait quand même des années. Il y a l'oppression en Guinée. Ça fait des années. On tue. Ce qui me fait mal aujourd'hui des Guinéens, je vais vous dire. Quand on tue, quand on frappe, quand on humilie, quand on insulte un vieux peul ou une vieille peul, ça a moins d'impact en Guinée, ça a moins d'importance. Mais aussitôt qu'on touche un vieux malinquin, un vieux soussou, un vieux forestier, c'est la fin du monde. Mais vous vous mentez vous-même. On dit l'intérêt de la Guinée. On dit la vérité sur la Guinée. L'oppression est faite chez les peuls. Il faut que l'Agui Seguna, il devrait s'élever depuis 2016, 2017, dire la vérité. Aujourd'hui, on allait sortir défendre l'Agui Seguna. Mais les Guinéens, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si aujourd'hui, la majorité des Guinéens insultent le rappeur Gani Alpha, parce qu'on dit que Gani Alpha est ethno. Et ce jour-là, quand on a tué Alax, Gani Alpha est sorti, qu'on a tué des Guinéens. On lui a traité de tout. Et nommez-moi encore un artiste, Soussou, qui est sorti défendre la communauté peul. Il n'y en a pas. C'est un petit madik, un pauvre malinquin, qui essaie aujourd'hui de convaincre d'autres communautés. Dire ce qui arrive aujourd'hui à la communauté peul est injuste. Ce qui arrive à la communauté peul est illégal. Ce qui arrive à la communauté peul est inhumain. Après, on nous traite de tout. On nous traite de toutes sortes de personnes. Et aujourd'hui, on nous demande de défendre les personnes qui n'ont pas défendu la cause noble. Les personnes qui n'ont pas dit la vérité à Alpha depuis le début. Mais c'est ça la vérité. Moi, je m'en fous. Si je ne vous dis pas la vérité aujourd'hui, quand est-ce que je vais vous dire la vérité? Là, Seguna, c'est ce que je parle. Nous-mêmes, on a combattu Elagi Seguna au début, quand il était financé et soutenu par les Malik Sankon. L'argent sortait. Mais depuis le début, il était où? Il était en Guinée. Mais pourquoi Elagi Seguna n'est pas sorti dire aux Guinéens qu'Alpha Condé était méchant, où il n'y avait pas de troisième mandat? Où il n'y avait pas de troisième mandat? C'est de dire aux Guinéens, si vous pensez que c'est nous qui sèmes la haine, vous vous trompez. Si vous pensez que c'est nous qui sommes ennemis de la Guinée, vous vous trompez. Madik va vous dire la vérité. Madik va vous dire la vérité. Parce que la vérité est devant tout le monde. La vérité est devant tout le monde. Si c'était de défendre sa communauté, j'allais défendre ma communauté. J'allais défendre Alpha Condé. Alpha Condé est malinqué. Et le père de Madik est herpésiste. Mais que Dieu m'en garde de défendre le mensonge. Que Dieu m'en garde de défendre un méchant, un sanguinaire, parce qu'il vient de ma communauté. Pour moi, c'est une honte. Chaque communauté doit dénoncer les mauvaises personnes au sein de leur communauté. Parce qu'on a des mauvaises personnes dans toutes les communautés. On a des mauvaises personnes dans toutes les familles. On a des mauvaises personnes partout. Peu importe notre provenance, notre ethnie.
C'est pas aujourd'hui que moi je vais défendre Elagi Seguna. Elagi Seguna, ça c'est la voix de Madik sans frontières. Vous êtes parmi des personnes qui ont supporté Alpha au début, Elagi Seguna. C'est moi, Madik, qui vous a dit Elagi Seguna. Vous avez reçu la communauté, les élites sous chez vous. Vous avez parlé pendant qu'on tirait à l'axe. Ça c'est la voix de Madik sans frontières. La vérité, je vais dire à qui veut l'entendre. Nous, on n'a pas peur de mourir. Mais cette vérité, avant de mourir, on va vous dire la vérité. L'oppression n'a pas commencé chez Elagi Seguna. C'est pas par lui qu'on a commencé d'offenser. C'est pas le premier vieux qu'on a offensé, qu'on a oppressé, qu'on a frappé ou humilié. C'est ça la vérité. Donc arrêtez vos propagandes. Arrêtez vos mensonges. On a vu pire en Guinée. On a vu pire. On a vu pire. Quel Guinéen peut dire à Madik, le jour qu'on a arrêté une femme enceinte par la police, une femme enceinte, la femme venait d'où? La femme était sous-sous ou bien peur? La femme était peur. Mon frère, faire de l'oppression, maltraiter une femme enceinte n'est pas pire que d'aller attaquer Elagi Seguna. Mais qui a parlé? Qui a parlé? Quel est responsable? Que ce soit religieux ou bien du gouvernement, quel est responsable à parler? Nommez-moi le nom de la personne. C'est ça la vérité. Le Guinéen n'aime pas la vérité. Le Guinéen est démagogue. Le Guinéen est hypocrite. Ça, c'est la voix de Madik sans frontières. Vous ne le faites pas à Madik. Vous le faites à vous-même. Si vous voulez, sortez. Si vous voulez, restez chez vous. Mais chacun va subir les conséquences de ce qui va se passer en Guinée. Si ça va en Guinée, tous les Guinéens en bénéficient. Si ça ne va pas en Guinée, chacun va subir les conséquences. Même Madik, parce que nous sommes des fils de la Guinée. Nous devons défendre la vérité. Ce n'est pas parce que c'est Seguna, tout le monde sort. Alpha est méchant, pas de troisième mandat. Alpha est on est rendu là. On était rendu là depuis le début. Arrêtez vos mensonges. On était rendu là depuis le début. On est rendu à plus de 200 morts. Après, on dit c'est des Guinéens. Quand on tue des peuls, on dit c'est des peuls. Mais quand on tue d'autres communautés, là, on va modérer, on va cadrer le débat. Mes chers compatriotes guinéens et guinéennes, arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir. Elagi Seguna, ça c'est la voix de Madik sans frontières, Anao Tagi. Elagi Seguna, c'est la voix de Madik sans frontières, Nao Matofe. Elagi Seguna, c'est la voix de Madik sans frontières. Vous êtes parmi des personnes qui ont supporté Alpha depuis le début. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'était de répondre à mes chers abonnés. J'ai des respects pour vous et considération. La raison qui a fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas fait de vidéo pour soutenir Kountigui de Basse-Côte, parce que je trouve que quand on tuait les autres Guinéens, les peuples, Kountigui de Basse-Côte n'est pas sorti. C'est nous-mêmes aujourd'hui qui ont fait le combat là, qui ont dénoncé, qui ont déclaré. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas fait de vidéo et je ne peux pas supporter le mensonge, je ne peux pas supporter Kountigui. Le jour que Elagi Seguna va sortir, défendre d'autres communautés, Elagi Seguna va sortir, défendre d'autres martyrs, dire la vérité, après, on va supporter Elagi Seguna. Moi, m'a dit que jamais je vais supporter quelqu'un parce que c'est Kountigui, supporter quelqu'un parce qu'il est vieux. Non, je supporte la vérité. À prendre ou à laisser. Je supporte la vérité. Ça, c'est la voix de Madik sans frontières. Donc, chers abonnés, je voulais me justifier devant vous mes raisons personnelles. C'est pour cela que je ne suis pas sorti supporter Elagi Seguna ou partager les vidéos ou quoi que ce soit. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants, qu'il donne la force à toute personne qui a l'intérêt de la Guinée dans la tête et qui veut le bonheur de la Guinée. Je finis mon travail, les abonnés. Partager au maximum possible. C'est la voix de Madik sans frontières, responsable de ses actes et de ses paroles. Vive la Guinée, vive la Guinée de tous, vive la vérité.